ancien champion du monde junior qui est en train tout simplement sur les routes des boucles de la Mayenne d'épater tous les spectateurs qui sont venus ici, alors que derrière la poursuite est lancée et Gavazzi qui était toujours intercalé qui se fait reprendre maintenant par le peloton. Mathieu Van Der Poel en tête de ce peloton d'ailleurs qui va disputer le sprint, alors que Joël Lebon va s'imposer dans quelques instants, arc-bouté sur sa machine, la victoire de Joël Lebon donc au passage sur la ligne.